patra, glossal, ak matière fécale qui gagne dans plusieurs zones dans Port-au-Prince, pas capable de quitter personne indifférent, surtout lorsque c'est santé population qui prend payer conséquences là. Dans Bicentenaire, sous Grand Rue, dans zone marché Salomon, ou ka remarqué malgré gain poubelle, fatra monté pile sous pile ak mouche kap volé à droite à gauche, sans nous pas oublier odeur poupou kap dégagé. Souvent, les situations sont arrivées, en pile monde longe droite sous ministère environnement. Pour ingénieur Astrel Joseph, ministère ça là seulement pour bail encadrement technique nan formé cadre nan mairie éduquer ak sensibiliser population sous cause fatra. En matière de gestion des déchets ou assainissement, ministère de l'environnement a un rôle de facilitateur, un rôle de contrôle, OK? En travaillant sur les normes, sur les prescriptions techniques, OK? Et également en ce qui concerne l'accompagnement des municipalités en matière de gestion des déchets, en ce qui concerne la collecte, le transport et l'élimination finale. Il faut dire aussi que le ministère de l'Environnement, et quand je prends l'aspect de prévention, okay, et le ministère de l'Environnement travaille sur les normes. Dans l'année passée, au ministère de la Santé publique, il y a plusieurs techniciens et agents sanitaires qui travaillent dans la direction service d'hygiène. Agents sanitaires ont passé la Kaimoun pour faire travail inspection et pour contrôler le travail Bayakouyo. Depuis quelques temps, le travail n'a pas fait parce que manque de bras. La population vient de plus, il y a plus de bidonville. Cependant, agents sanitaires ont diminué. C'est un constat au niveau de les égouts, au niveau du marché et si je vous barre mon yo, côté venin ou déposer. On parle de même de péril fécal, pas seulement à Port-au-Prince. On parle dans la grande ville, là où que, côté qui a développé l'autre technologie water closet. Donc, le problème s'est posé. Mais il faut me dire que la santé publique n'a pas de moyens, ni outils légaux, ni techniques pour combattre ça. Parce que, comme nous le mandat, ça, il dépend de DINEPA. C'est donc bail qui est attribué aux mairies, la police, et éventuellement, la santé publique est capable d'encadrement technique. Actuellement, dans le temps, nous avons gagné pendant 8 000 environ officiers sanitaires. Au niveau Port-au-Prince, nous avons gagné 560 à peu près. Actuellement, pour tous les départements de l'Ouest, nous sommes réduits à 30 officiers sanitaires seulement. Donc, nous sommes obligés d'agir parfois sur demande, sur doléance, nous faisons des activités ponctuelles. Depuis après 12 janvier 2011, et puis à cause de choléra qui gagne dans Port-au-Prince et tout partout dans le pays, l'État haïtien a décidé de créer DINEPA, qui est la Direction nationale de l'eau potable et assainissement. Ingénieur Astrel Joseph fait connaître cette institution qui est responsable de l'assainissement dans le pays. Il fait connaître tout service métropolitain pour collecter fatra solide SMCRS, li responsable pour ramasser fatra dans toute zone Port-au-Prince et dans Jiwanli, et c'est le ministère des Travaux publics qui baille matériel pour faire travailler ça. Bon, le problème, tout, c'est que nous avons un problème d'espace. M'pas mettre à part problème de gestion espace là, mais bon problème de espace. Certes, la décharge de tritier actuellement, bon pas même actuellement, depuis bien avant des années, il était déjà dit que décharge de tritier c'est une décharge à déplacer de cette zone, ok? Donc et avec population, construction, tout une série de bagages capable d'avancer vers lui-même, donc tout ça met augmenter risque de qui mettait problème sur les risques liés à santé et à santé tout ça. Malgré gros structure ça avec tout matériel ça yo, citoyen a demandé pour qui ça fatra pas qu'à ramasser normalement pour protéger santé population contre microbes cap gayer maladie n'importe au prince à tout côté dans pays.